Allez, bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre marathon FF14. Et puis bah, aujourd'hui on va continuer les quêtes à deux chevaliers dragons qu'on a un petit peu commencé hier. Et du coup bah, pour ça il faut retourner au Quertas central, si je ne dis pas de bêtises. Et puis parler à notre ami dont j'ai oublié le nom, évidemment. Qui devrait nous fournir des renseignements sur à quelque chose que j'ai oublié aussi, évidemment. C'est la base. J'ai toujours pas de mémoire, j'en ai pas trouvé par terre, donc eh ben, il faut faire avec. Mais heureusement, on a un petit journal qui devrait nous donner quelques indices. Ah, c'est Albéric. Alors. Oh, on verra bien ce qu'on nous veut après. Ah, de toute façon. Comme ça fera la surprise. Ah, ça fait un petit peu de suspense dès le début de ce stream. Et ça, c'est formidable. On n'a jamais assez de suspense. Ah, parce que c'est souvent du suspense que naît le plot twist. Alors certes, pas nécessairement. Mais quand même, souvent ça arrive. Voilà. Le suspense, peut-être... Ah, peut-être qu'il y en a dans le film de Death Note qui a été balancé par Netflix. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. On sait pas trop. En tout cas, tout le monde est en PLS. Alors, je sais pas jusqu'où le naufrage est allé, mais ça a l'air assez grandiose, quand même. Est-ce que c'est du niveau de Dragon Ball Evolution? Seul le temps nous le dira. Ou quelqu'un à qui s'est infligé les deux films. Et ça, on sait pas trop. Ce serait quand même compliqué. Ah, peut-être que ce serait quelqu'un, du coup, qui viendrait du club SM de Yakuza 0. On sait pas. C'est quand même fort probable. Ah, parce que il faut être sacrément masochiste pour s'infliger ces deux trucs. Ah, voilà, Albéric. Alors, ah, vous êtes de retour. Alors, avez-vous parlé à Ostienne? Bah ouais. Ah oui, c'est vrai, il fallait retrouver la Madame Dragon qui s'est barrée à l'Est pour rester en vie. Un mec qui était amoureuse de Ralsberg, je sais pas quoi. Alors, ah, pardonnez-moi, cette histoire est tellement invraisemblable. Ostienne, la tueuse de dragons, qui aide un descendant de Ralsberg à retrouver la bien-aimée de son père. Ah, nous vivons décidément une époque extraordinaire et riche de promesses. Je vais demander au prêtre de l'ordre du temple s'il n'aurait pas entendu parler d'une légende correspondant aux événements que vous avez décrits. Ah, alors... Ah non, c'est juste un rang 1, on s'en fout. Un dragon qui s'établit au-delà des frontières orientales de Dravania est un phénomène suffisamment rare pour être mentionné, ne serait-ce que dans un poème. Si une telle information existe, alors ils la trouveront certainement. Toutefois, compte tenu de la masse considérable de documents à analyser, cela pourrait prendre un certain temps. Repassez d'ici quelques jours, je vous dirai s'il y a du nouveau. Ah voilà, à quête accomplie, c'est génial. Voilà, ah, ça fait au moins 5 secondes, c'est bon, il a eu le temps. Ah Kairi, vous tombez à pic. Je reviens tout juste de la Sainte Cité. Je suis allé au palais de l'Ordre du Temple afin d'y lire le rapport d'études concernant les légendes dravaniennes. Les prêtres ont trouvé des références, mais ils m'ont toutefois mis en garde quant à la vraisemblance de ces histoires. Comme vous le savez, ce n'est jamais facile de séparer les mythes des faits historiques. Un puck, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, peu dans la bouche d'un barde ou d'un conteur imaginatif, s'est transformé en un dragon gigantesque. Ces histoires sont sujettes à caution, et en ce sens, le temps et la nostalgie tendent à embellir ou à les exagérer. Et bref, j'ai résumé les récits qui m'ont paru les plus crédibles sur ce parchemin. Puissent-ils vous servir dans vos recherches? Ah, et si jamais vous revoyez Ostienne,
Ah, dites-lui que je pense fort à elle. Ah ouais, à cœur, petit cœur, tout ça. Ah, génial. Bon, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on retourne là-bas? Ah bah allez, à tous à la peine. C'est là? Ouais, c'est là. Mais n'empêche, t'imagines, si pour faire les quêtes, le temps a devenu réel. Genre le gars il vient de dire, ah il nous faut quelques jours pour trouver des trucs. Et puis là, dès que tu valides la quête, paf, t'as un cooldown qui se met en place. Et tu peux pas commencer la quête suivante avant 3 jours. Ah, ce serait fourbe hein, quand même. Mais bon, ce serait l'antithèse du fun. Mais d'un autre côté, ah, ce serait très Square Enix. Ce serait très FF14. Voilà, les pires contraintes pour te forcer à passer plus de temps dans le jeu, tu vois. Enfin, de temps en termes de jours, hein, pas en tant que de nombre d'heures, évidemment. Ah bah, contente de te revoir, Kairi. Alors, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Mais bien sûr. Ah, j'ai plein de légendes. Bah, je reconnaîtrai l'élégante écriture d'Elberic entre mille. Je suis sûr que ces informations nous seront d'une grande utilité. Voyons voir. Il nous conseille de commencer par le dragon d'Arbor dans la région de Gyrbadalia. Putain, je crois que je suis en train de choper un rhume, par contre, je suis désolé. Ah, c'est la première fois que je vois de pareils griffonnages. C'est donc comme ça que les humains transmettent leur savoir. Ah, c'est fascinant. À nous autres dragons, racontant nos récits et consignant nos histoires sous forme de chants. Ces mélodies m'ont appris beaucoup de choses sur la bien-aimée de mon père. Je peux notamment vous dire qu'elle s'appelle Phonème. Phonème, pour de vrai? Phonème Morphème? Tout ça? Ah, et tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Et bref, d'après la légende, le dragon dormirait paisiblement, enfermé à l'intérieur d'un rocher en forme de poing. Ah, il est difficile de ne pas y voir une allusion au temple du poing de Ralgre. Cela coïnciderait, en tout cas, avec les notes d'Albéric qui laissent entendre que cette histoire serait originaire des marges de Gyrbanania. Même s'il est aujourd'hui en ruine, cela vaut certainement le coup de visiter ce temple. Ah ben c'est parti! Ah ne vous inquiétez pas pour moi, Kairi. Je vous survolerai discrètement jusqu'à notre destination. Vous n'aurez qu'à me siffler quand vous serez arrivé. Eh ben allez, donc on va à Gyrbanania. Ah donc on va se téléporter là-bas. Comme ça coûtera moins cher, évidemment. Et puis, ben, tout va bien se passer. Ah, peut-être qu'on va se taper une partie de donjon en solo alors, comment ça se passe? Attends, déjà, faut partir par là. Et du coup, c'est le problème, c'est que bah, à chez moi, il fait trop frais. Enfin, c'est dehors qu'il fait trop chaud, en fait. La différence de température est trop grande. Ah, du coup, passer de l'un à l'autre, au bout d'un moment, c'est pas bon. C'est comme ça qu'on finit avec un rhume en plein été. Mais bon, ah, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Alors. Alors du coup j'ai vu qu'il y avait une présentation de Xenoblade 2 pendant la Gamescom.
Ah mais je l'ai pas regardé. Apparemment, y a qu'un truc qui m'intéresse, moi, c'est est-ce qu'ils ont fait machine arrière et rajouté les voix jap? Ah mais vu que j'ai rien entendu... Ah ça pue la merde. Ah donc, je sais pas trop. Arcus, on s'en moque. Ouais, c'est Exion qu'il me faut. On a juste à le trouver une fois, Ixion, et on pourra... Alors attends... C'est où? Ah, c'est là-haut. On pourra avoir la monture. Ah ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Mais c'est quand même dommage hein, qu'ils essayent à tout prix de relier l'univers de Final Fantasy au monde réel. Je veux dire, bon, hein, qu'on se retrouve avec la carte de notre planète, à la limite, c'est pas ultra dérangeant. Mais par contre, qu'on se retrouve à taper sur des éléphants et des girafes, c'est compliqué quand même. C'est tellement le niveau zéro du chara-design. C'est quand même sacrément triste. Oh, ce sifflement. Bah ben ça alors! Je m'attendais à trouver un bâtiment semblable à ceux que l'on peut voir dans l'écume des cieux de Dravania. J'ignorais que les humains pouvaient être aussi créatifs. Attendez-moi, je vais voir si Phonème est à l'intérieur. Ah, mais peut-être qu'elle va trouver un vrai Nem, on sait pas. Je suis désolé. Ah, mais bon, ah, c'était trop tentant. Ah, au secours, Kairi! Ah, qu'est-ce qui lui arrive encore? On sait pas. Ah, mais c'est juste un random. Aidez-moi! Ce pantin de pierre cherche à me tuer! Alors. Ah, vas-y, viens faire la bataille! Ah, j'ai pas peur! Voilà! Il m'a même pas touché, si. Je sais pas trop. Bon, en même temps, j'ai tellement de niveau d'avance. Ah, là, ça veut rien dire. Ah, quelle frayeur! Ah, j'admirais la beauté des lieux quand cette statue m'a soudainement attaqué. Ah, j'espère que ce n'est pas ça, le dragon dormant. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, j'en crois pas mes yeux! Ah, Kairi! J'ignorais que vous vous intéressiez vous aussi à la légende du dragon dormant. Vous connaissez cette histoire? Kairi et moi avons voyagé jusqu'ici afin de rencontrer ce dragon. Ah ben, ça risque d'être difficile. Voilà maintenant plus de 3 siècles que le grand prêtre Emar, plus communément appelé le dragon dormant, a quitté ce monde. Mais attendez une minute, le dragon dormant est un humain? Bien évidemment! Emar était un moine féru de méditation. Il pouvait rester des jours assis sans bouger d'une oreille. Ah, c'était un homme réputé pour son calme et son flegme. Cependant, quand il le fallait, il était capable de déchaîner une force phénoménale comparable à celle d'un dragon. Ah bah, tant que nous y sommes, laissez-moi vous expliquer l'origine de son surnom.
Comme vous le savez, voilà, les théories dont la mienne qui met en avant certains hommes, cependant, s'est endormie. Voilà, c'est génial. Hein. Et c'est comme ça qu'on évite de se faire chier à créer une vraie histoire avec du lore, tu vois. On fait comme si c'était pas intéressant et que personne n'avait envie de savoir. C'est génial. Ah, Phonème n'est pas ici. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cet homme ne s'arrêtera jamais de parler. Retournons plutôt auprès de votre ami Alberic. Il aura peut-être du nouveau pour nous. Mais non, mais arrêtez de me renvoyer là-bas. Ah, ça coûte cher en téléportation. Ouais, au revoir. Ah, c'est ça. Ah, génial. Voilà, riez s'il vous plaît, c'est super important. On aurait dû l'embarquer avec nous là. Ouah, c'est quoi cet orage? Ah, peut-être que Ixion va bientôt arriver, on sait pas. Ah, c'est les bonnes ambiances. Ah bon, allez. Ah, j'imagine qu'il veut retourner au Quarta, c'est ça? Ah bah ouais. Ah putain, la baise. Bah, ça coûte combien une téléportation plein coup? 513. Pff, allez. Ouah, un chocobo ange! Incroyable! Alors, le sud, c'est là-bas. Mais il y a plein de chasses là le matin en fait. C'est le matin qu'il y a tout qui pop. Hein. L'après-midi, il y a que dalle. Alors, ah, ça m'a fait un choc de voir un dragon surgir devant moi. Et il s'en est fallu de peu pour que je ne dégaine mon arme. Arnkai et moi avons discuté en vous attendant. Et il m'a révélé que le dragon dormant était en réalité un moine mort depuis longtemps. Je suis sincèrement désolé de vous avoir orienté sur une mauvaise piste. Avec un peu de chance, votre prochaine destination sera la bonne. Dites-moi, Kairi, êtes-vous déjà allé en Orient? Ouais! Vous connaissez Kugane? Mais c'est parfait! Ce port de commerce fera un très bon point de départ pour enquêter sur la prochaine légende. Malheureusement, je ne pense pas que votre petit camarade, Ellie, puisse vous accompagner dans ce voyage. Pas si vite! Et comment comptez-vous trouver Phonème sans mon aide? Ah bah, tu es courageux, Arnkai. Mais Ingashi est beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Ne le prends pas mal, mais je crains que tes petites ailes ne puissent pas te porter sur une pareille distance. En même temps, tu as été d'un grand secours à Eustienne, et ce serait injuste de te priver de cette traversée sous le simple prétexte que tu n'en as pas les capacités physiques. Donne-moi un peu de temps, et je vais réfléchir à un moyen pour que tu puisses suivre Kairi en Orient. Ah vraiment? Ah, je suis tellement content. Ah, sifflez un coup quand vous aurez la solution. Ah, moi, je vais aller chasser à côté d'ici, histoire de faire le plein d'énergie avant de partir. À très bientôt. Ah, sacré numéro que ce Arnkai, hein. Hélas, je n'ai absolument aucune idée de comment remédier à son problème. Je vais vous demander à vous aussi de m'accorder un délai de réflexion. Ouais, c'est bon, ça suffit. Ah, Kairi, j'attendais votre retour avec impatience. Figurez-vous que j'ai eu un éclair de génie. Eh ouais, l'autre soir.
Je me suis empressé de mettre mon plan à exécution, et par miracle, tout s'est bien passé. Grâce à Alon et quelques poignées de Jill, Ankai a pu arriver sain et sauf en Higashi. Plus précisément, il se trouve à Kugane, à l'auberge du Bokairo. Le propriétaire des lieux, Karaku, le cache quelque part dans son établissement. Donnez-lui simplement votre nom, et il vous conduira jusqu'à votre ami Dragonet. Et j'ai pris la liberté de raconter quelques légendes locales à notre jeune ami pendant votre absence. J'ignore si elles vous seront d'une quelconque utilité, mais qui ne tente rien à rien. Allez, je vous ai assez retenu comme ça, filez. Eh ben go. Donc on va à Kugane. Hein. Ah, ça va coûter tellement la max. Ouais, c'est ça. Ah bah allez. Hop. Kugane, voilà. Ah non, en fait, ça coûte pas cher parce que j'ai un point de retour ancré là-bas. Ah, tout va bien. Faut que je regarde les contrats de chasse aussi, tiens. Pendant que j'y suis. Tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un vétéran. Donc ça, ça doit être... Ok. C'est où qu'il faut que j'aille? À là-haut. Ok, et les contrats de chasse, ils sont là-bas. Ah non, c'est pas une messe. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc lui, il sera la mère de Ruby. Ok. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu, cette musique. Elle est toujours autant stylée. Et du coup, il n'y a plus grand monde hein, dans cette ville. Hein. C'est un peu la loose. Enfin, c'est peut-être parce que c'est le matin aussi. Mais... Ouais. Il n'y a plus grand monde. Hein. Ah, c'est le problème, une fois que tout le monde a poncé le contenu, après, tout le monde reste dans les zones HL, quoi. Pour les raids et compagnie. La chasse. Ah, bienvenue, voyageuse. Vous venez vous détendre dans nos bains. Les sources de Bokai-sen peuvent soulager tous les maux, sauf les cœurs brisés. Mais pour cela... Nous avons d'autres remèdes, tout aussi liquides que nos termes. Quoi? Ah, c'est vous, Gaïri Mikablo? J'ai votre colis. Ne bougez pas, je vais vous le chercher. Ah, pitié! Sortez-moi de là! Oh mon dieu! Ah, il va pas bien. Ah, ce stupide mortel ne perd rien pour attendre. Fais une petite sieste, et quand tu te réveilleras, tu seras à Kugane, qu'il m'a dit. Petite sieste, mon œil, oui. C'est à se demander s'il a déjà effectué la traversée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a rempli la caisse de cristaux de glace. C'est vrai que les périodes de repos des dragons peuvent durer des années et des années, mais nous ne sommes pas des ours. Nous n'avons pas besoin de température glaciale pour trouver le sommeil. Ah, mon corps est glacé.
Cela étant dit, le doux roulis du navire m'a bercé et j'ai dormi comme un bébé. Ah, génial. Bref, maintenant que nous sommes là, nous allons pouvoir reprendre nos recherches. Avant qu'il ne m'enferme dans cette caisse, Alberic m'a conté la légende de Seiryu, un dragon capable d'écraser des monts entiers sous ses pattes. Ce serait apparemment le dieu tutélaire de cette région. Toutefois, il y a peu de chances que cette histoire nous conduise sur la piste de Phonem. Le mythe de Seiryu existe depuis plusieurs millénaires, tandis que la bien-aimée de mon père est arrivée dans ces contrées il y a seulement 1000 ans. Alberic pense que la légende du serpent de la mer de Ruby pourrait être la bonne, et puisqu'elle est apparue bien plus récemment. Que diriez-vous d'aller à la Aïssari? Les habitants de ce village côtier ont peut-être des choses intéressantes à raconter. Je vais vous accompagner, mais je garderai mes distances pour n'effrayer personne. Sifflez un coup quand vous aurez fini, et je vous rejoindrai sur la terre ferme. Donc là, du coup, on apprend que les gens ont peur des dragons. C'est pas normal, parce que moi je me promène à d'autres dragons géants et tout le monde trouve ça normal. C'est pas logique. Ah, vas-y, un go à la mer de Ruby. Bon, on va où? Je sais pas. Bon, on va suivre la flèche. Ouais, quelqu'un! Ah, bonjour, quelqu'un! Au revoir, quelqu'un! Et on peut toujours pas aller en haut de cette tour. Moi, j'aimerais bien voir la vue qu'on a de là-haut. Ça doit être pas mal. Ah, du coup, maintenant, faut refaire gaffe aux mobs pour la chasse. Faut jeter des yeux. Ah, voilà. Parce que Majima, lui, jette un œil. Ah, mais... Ah, nous, on en a au moins deux. Ah, c'est là. Ah, d'accord. Ça fait un peu Xenoblade, là, sur la gauche. Ça rappelle un peu la plaine de Gore, dans le 1. Et les textures sont à peu près aussi dégueulasses. Donc, à tout est raccord. Non mais c'est vraiment une mauvaise idée quand même en termes de level design, de faire des grandes étendues d'eau comme ça. Y'a rien. Y'a tellement rien à faire. Y'a rien à voir non plus. Bah si je connais la légende du serpent de la mer de Ruby, t'auras du mal à trouver quelqu'un ici qui en a jamais entendu parler. Ma grand-mère me racontait sans arrêt des histoires effrayantes à son sujet quand j'étais gamin. Elle me rabâchait toujours de rester au bord, et que le serpent me dévorerait si jamais je m'avançais trop loin dans l'eau. Ah, j'en ai fait des cauchemars par sa faute. Je te conseille d'interroger une personne âgée, si tu veux en savoir plus. Ah ouais, les gens de cette génération connaissent bien cette légende, contrairement aux plus jeunes. Ah donc, c'est du passé. Le dragon n'est plus là. Peut-être qu'on va pouvoir savoir où il est parti. Ah bonjour, femme âgée. Ah bah qui je... quoi? Ai-je bien entendu? Vous voulez que je vous raconte la légende du serpent de la mer de Ruby? Ah ma petite, ce n'est pas qu'une légende. Ce monstre existe bel et bien. Allez donc faire un tour du côté du banquet de Koro. Si vous ne me croyez pas, vous y trouverez une créature cauchemardesque. Son odorat est tellement développé qu'elle peut sentir une goutte de sang à des mâles à la ronde.
Et c'est d'ailleurs pour cela que les pirates jettent par-dessus bord tous les membres d'équipage qui ont le malheur de se blesser. Mieux vaut sacrifier des vies humaines qu'une cargaison ou un navire. Et la bête ne rate jamais un repas. Il lui arrive même d'engloutir ses proies avant qu'elles ne touchent la surface de l'eau. Ce serpent est une véritable terreur des mers. Ah, bah on va le tuer! C'est quand même bizarre parce que notre dragon est censé s'être enfui justement parce qu'il voulait pas. Allô? Ah voilà, ah, je suis un dragon mais je fais peur à personne. Tout va bien. Parce qu'il voulait pas faire la bataille avec les humains. Ce serait bizarre qu'il les mange. Ça n'a aucun sens. Alors, pensez-vous que ce serpent puisse être phonème? Aucune chance! Ah bah, s'il est vrai que nous nous fions à notre odorat pour chasser, notre espèce n'a pas la réputation de gober des humains. L'idée seule me paraît terriblement barbare. Même si je doute que tout cela nous mène à phonème, ma curiosité a été piquée. Il faut absolument que je voie à quoi ressemble cette créature. Dirigez-vous vers le banquet de coraux. Je vous y rejoindrai aussitôt que j'aurai trouvé de quoi attirer la bête. Ah bah allez. Ah, on va tuer une légende aujourd'hui. On fait pas les choses à moitié. Ça rigole pas. Mais c'est loin ou c'est là-bas? Mais du coup, cette tour infinie, c'est même pas pour une série de raids finalement. Ah, ce serait juste un donjon random. Éventuellement. Si ça se trouve, ils vont jamais rien en faire. Et c'est juste la baise pour que tu te poses une question comme ça. Ça, ils te teasent un truc qui n'existe pas. Ah, ce serait pas cool. Ah, ça y est, on y arrive. Alors, il est là. Alors, je sais que les humains ne sont pas très rapides, mais je pensais qu'une héroïne comme vous sortirait du lot. Ah ouais. Je suis arrivé avant vous, alors que j'ai fait un détour pour chasser. Et quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un animal sauvage à la chair tendre et juteuse. Je vais aller le jeter dans la mer. Soyez sur vos gardes. Ah, bonjour. Ah mais c'est ça! Ah, ce truc random. Voilà. Ah, la facilité déconcertante avec laquelle vous avez vaincu cette bête gigantesque, elle me stupéfait. Vous avez vraiment la force d'un dragon. À défaut d'avoir trouvé phonème, nous avons gagné de quoi remplir, nous remplir la panse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette créature semble délicieuse. Je crois qu'elle fera un excellent dîner. Je vais prélever un morceau de chair et le rapporter avec moi à l'auberge. Allons-y, Kairi. Le dernier arrivé à Kugane est une poule mouillée. Ah, génial. Parce que tu crois que moi, je vais faire la course? Ah, please. Ah, moi, je me téléporte.
Voilà. Allez, go. Faut aller au nord. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, faudrait qu'ils nous laissent utiliser les chocobos là aussi. Elle est grande la ville quand même. Hein. Que le sprint. Ah, c'est un peu trop limité quand même. Surtout maintenant. Ah, pardonnez-moi, Kairi. Je n'ai pas pu résister à la tentation. J'ai essayé pourtant. Mais l'appel de la viande était trop fort. Ah, ne vous inquiétez pas. Je vous en ai gardé un bout. Je l'ai placé à l'intérieur de la boîte réfrigérée pour le conserver bien au frais. Vous allez vous régaler. Parole d'orne, Kai. Ah ouais. Ah, c'est la deuxième fois que nous échouons. Et vous devez avoir l'impression de perdre votre temps avec moi. Ah, vous n'allez pas m'abandonner, j'espère. Ah, mais non. Ah... Je resterai jusqu'à ce qu'on retrouve Phonem et qu'on débloque ma dernière capacité. Ah merci. Alberic ne mentait pas quand il disait que votre patience n'a d'égal que votre puissance. Ah mon dieu. Ah, ce n'est pas vraiment facile de suivre un filon vieux de 1000 ans. Moi-même, il m'arrive de douter du chemin à suivre. Ah, j'ai conscience que j'espère beaucoup. Mais je refuse d'abandonner s'il y a encore de nombreuses pistes à explorer. Tout espoir n'est pas perdu. Notre aventure ne fait que commencer. Eh oui, ce n'est qu'une question de temps. Ah, génial. C'est quand même la quête level 65. Il serait temps qu'il se passe un truc. Mais elles sont super courtes en fait, les quêtes de dragon, par rapport aux autres. On enchaîne tellement vite. Mais comment allez-vous, Kairi? Ah, moi, je me porte comme un charme. Et contrairement aux Ishgardais, les gens d'ici n'ont pas de ressentiment à l'égard des dragons. Au contraire, ils nous considèrent comme des êtres sages et porteurs de chance. Je me suis lié d'amitié avec quelques personnes, dont le propriétaire de l'auberge, qui insiste pour que je reste. C'est fou, n'est-ce pas? D'un côté, on veut ma mort, et de l'autre, on réclame ma présence. Ah mais, quelle est cette expression que je vois sur votre visage? Serait-ce de la jalousie? Oh, Kairi, ne vous inquiétez pas. Comment ça, jalousie? Je peux pas voir mon visage, je suis pas jaloux, j'en ai rien à foutre. Vous aussi, vous serez aussi populaire que moi un jour, j'en suis certain. Ah mais, assez bavardé. L'un de mes nouveaux amis a en sa possession des informations que ni vous, ni moi n'aurions jamais pu obtenir. J'étais justement sur le point de lui rendre visite. Que diriez-vous de m'accompagner? Bah allez. On va où? On va là-bas. D'accord. Ah, je vais passer par là. Ça change un peu. Allez, YOLO! Wouh! Bon, il est où ton pote? Ah bah, il est en dessous. Ah, c'est un Yakuza! S'il se promène dans les égouts. Ah, c'est peut-être Majima! Ou Kiryu! Ouais, c'est Kiryu qui va dans les égouts. Ah bah, attendez un instant. Je vais l'appeler. Allô? Ah, c'est Hankai! Ah non, c'est pas Kiryu. C'est à peu près le même niveau de charisme, hein, mais... On sait pas trop. Ah bah, pardonnez-moi pour l'attente. Kairi, ah, ne vous inquiétez pas. J'ai retenu la leçon. Fini les trahisons. Je le jure sur la tête de tous les Kami. Ah... Ah, j'espère qu'ils tiennent pas leur tête. Eh tiens, vous connaissez déjà? Ah, vous voulez en savoir plus sur les légendes de la région, n'est-ce pas? Ah, il y en a une qui me vient à l'esprit. Là d'où je viens, il y a une grande rivière que nous appelons la Mouni. Et si on la remonte sur plusieurs centaines de malmes, on finit par arriver dans la steppe d'Azim.
C'est dans les massifs montagneux du nord de cette grande plaine, là où la monnaie trouve sa source, que dort un monstrueux dragon aussi sombre que la nuit. Aussi sombre que la nuit, vous dites ? Bah oui ! Et si vous voulez en savoir plus, vous devrez vous rendre au ralliement. C'est la plus grande colonie de la steppe d'Azim. Là-bas, vous trouverez les réponses à vos questions. La plupart des dragons de la lignée de Nidhogg ont des écailles noires. Nous sommes sur la bonne voie, Kairi. Dépêchons-nous d'aller au ralliement. Ah bah allez. Ah finalement... Razverg, c'est un petit peu le dragon blanc aux yeux bleus du Yu-Gi-Oh! Et Nidhogg, c'est le dragon noir aux yeux rouges. Voilà. On sait qui c'est le plus fort maintenant. Il n'y a plus aucun doute possible. Mais vu que le noir, il a 2400 points d'attaque, le dragon blanc aux yeux bleus, il en a 3000. C'est bon. Il n'y a même pas de match-up. Voilà, et ma tortue volante, elle en a 1 000 000. Ah, à peine ai-je débarqué que ces petits humains se sont rués sur moi. Je vais donc en profiter pour les interroger, sait-on jamais. Je vous laisse vous occuper des grands, d'accord? N'oubliez pas de mentionner le dragon aussi sombre que la nuit dont nous a parlé Gyodo. Eh ben allez. Ah, d'accord. Ah, peut-être qu'elle savait pas parler, la pauvre. Un dragon noir qui rôde dans la région? Ah mais bien sûr que j'en ai entendu parler. On raconte qu'il se réveille une fois tous les 10 ans, ou tous les 100 ans. Ça dépend un peu de la personne que vous interrogez. Et toujours est-il que le démon est habité d'une rage destructrice, qu'il laisse éclater à chaque réveil. Lorsque sa faim est assouvie, il retourne se coucher dans son repaire, dans les montagnes du nord. Si quelqu'un était capable de le tuer, ce serait assurément une belle aubaine pour sa tribu. Nous autres Renir, l'avons dans le collimateur depuis très longtemps déjà. Mais tu cherches le dragon noir toi aussi? Il paraît que quelqu'un l'a vu récemment. La première fois depuis des générations. Si tu veux mon avis, c'est que des foutaises. Je ne serais pas surprise que cette histoire ait été inventée de toutes pièces par un Oronir éméché. Ah ouais. Ah, ils ont trop picolé encore. C'est... Allez. Akairi, pitié, aidez-moi! Ces enfants ne veulent pas me lâcher. Je sais pas, tu sais pas voler? Elle vivrait donc dans les régions montagneuses du nord. Si le dragon a vraiment été aperçu récemment, ça veut dire qu'il vient d'entrer en période d'activité. Nous avons de la chance car il est beaucoup plus simple de communiquer avec un dragon affamé qu'avec un dragon profondément endormi. Eh bien, dirigeons-nous sans attendre vers Seolaen. Adieu les mioches! Ah ouais, à des bisous. Ok. Ah, par contre, il va falloir contourner la bouboule. Ou passer au-dessus. On peut passer au-dessus. Ça devrait marcher pas mal. Passer en dessous. Ah, voilà. Alors, j'ai pas quelqu'un à tuer ici. Non, ça a pas l'air. Oh, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Ok. Ah, un petit instant solo. Ah, va y avoir du drama. À cet endroit me paraît parfait pour commencer une recherche. Ah, vous êtes prête, Kairi? Ah oui, je suis toujours prêt. Ah, y a un machicha aussi qui est apparu.
À part les petites huntes. Ah mais bon, le OSF est total. Son repère se trouve dans les montagnes. C'est bien ce que nous avons. Ah mais attendez, mais quelle est cette odeur? Ah ne me dites pas que ce mortel est le dragon de la légende! Vous aussi, vous êtes venu chasser le dragon noir! Chasser? Mais quelle drôle d'idée! Ah, nous sommes venus nous entretenir avec lui! Ça alors? Un dragon qui parle? Ah, décidément, j'aurais tout vu aujourd'hui! Je vous préviens, vous ne pourrez jamais raisonner ce monstre! Il a tué 7 de nos meilleurs guerriers en un instant! Je ne dois mon salut qu'à mon agilité. C'est une humiliation que de fuir le combat, mais je dois informer notre chef de l'issue de la bataille. C'est certainement cette aptitude à la course qui lui a sauvé la vie. Continuons notre route. Phonem ne doit plus être loin. Ouais! Ah, enfin on va faire la bataille. Bon, il est où? Ah, salut couteau Aztec! Ah, comment ça va? Ah, t'arrives pile au bon moment pour la baston. On est toujours à la recherche du dragon noir aux yeux rouges. Ah non, je peux pas aller là-bas. Ah, je vais où? Ah là! Ah, bonjour! Et on vient d'en trouver un. On sait pas trop si c'est le bon. Ah, je peux pas le taper? Ah mon dieu! Ah ouais, c'est un vrai dragon! Ah, je sais pas pourquoi on le tape, mais bon bah... On le tape, hein, c'est pas grave. Ok. Bon ça va, je prends pas trop de dégâts. Ah, tout va bien. Je peux même faire ça et ça, comme ça je tape pas plus fort. Hop. Ah du coup, est-ce que t'as suivi la présentation de Xenoblade 2? Ah parce que moi je l'ai pas regardé, mais j'aimerais bien savoir s'ils ont parlé des voix Jap ou pas du tout. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Ah donc, je vais pas voir les news ni rien. Et j'avoue que... Ah si, ils pouvaient revenir en arrière sur les voix Jap. Ce serait cool. Quoi qu'ici là. Ah, il a changé. Ah, faut taper les ailes. Ah mais c'est comme l'autre abruti dans le donjon. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Je l'appelais Bioman. Ah, c'était pas Thomas, un truc comme ça. Ah, je sais plus. Ah bah, Phonem, je vous en supplie, écoutez-moi. Ah donc c'est bien lui. Ah c'est inutile. Ah Sarah, je le domine complètement. Ah Phonem est prête à se battre jusqu'à la mort. Ah vous, si vous poursuivez le combat, ah, l'une de vous deux finira forcément par succomber. Ah c'est frustrant, mais je crois qu'il vaut mieux que nous nous retirions pour l'instant. Ah bah non, on a qu'à le tuer, on s'en fout. Ouais, au moins on met fin à cette histoire. On peut faire autre chose. Ah, nous avons bravé tant de périls et surmonté tant d'obstacles. Et maintenant que nous avons enfin trouvé Phonem, elle refuse de nous entendre. Oh, ah quel dommage. Ah pardonnez-moi Kairi,
J'ai besoin de me rafraîchir les idées. Je vous retrouve au ralliement d'ici quelques minutes. Ah bah allez, on y va. Bon, j'imagine du coup que tu... que personne s'intéresse à Xenoblade. Bah, c'est pas grave. Je survivrai. Ah voilà. Putain, cette zone elle est quand même tellement plus stylée que la mer de Ruby. Ah voilà. Ah là tu sens qu'ils ont bossé un minimum quand même. La mer de Ruby, c'est juste dégueulasse. Ok. Et donc ça, c'est la Moon. Enfin, la rivière. À qui finit à Yangsha. Ok, c'est par là. Voilà. Alors, ce bol d'air frais m'a fait le plus grand bien. Vous savez... J'ai déjà eu des dragons affamés ou mal lunés auparavant, mais aucun n'était aussi agressif que Phonem. Ah ouais. Il y a quelque chose qui l'a mise dans une colère noire, et nous devons trouver quoi. Lorsque nous aurons cerné la cause, nous pourrons alors élaborer un nouveau plan d'action. Je vous promets de tout faire pour élucider ce mystère. Je refuse que notre voyage se solde par un échec. Non, je demandais si t'avais suivi la conférence de Xenoblade 2 pour savoir s'ils avaient backdashé sur l'absence des voix Jap. Parce que, au début, ils disaient qu'elles y étaient pas. Il y a un gars à la Japan Expo qui a dit qu'en fait, si elles y étaient, on sait pas trop, finalement. Bon, je suis quasiment sûr que le gars de Nintendo France a dit des conneries comme d'habitude, mais j'ai quand même un peu le doute. J'espère au fond de mon cocoro qu'il y aura les voix Jap. Je sais pas. Du coup, je me suis dit peut-être qu'ils avaient fait une annonce carrée à la Gamescom, mais vu que je veux pas regarder les news pour pas me spoiler, je cherche quelqu'un qui a regardé, tu vois. Alors, ouais. Ah, vas-y. Ah, et donc ce sera quoi? La vie du dragon permet de recevoir œil du dragon lorsque vous utilisez pique et mirage avec sang du dragon. Au quatrième degré d'œil du dragon, utilisez guerre skull. Ça change sang du dragon en vie du dragon. Et guerre skogel est alors remplacé par un astrand. Je comprends rien. À la fin de cet effet, la vie du dragon redevient sang du dragon. Alors attends. Ouais, je sais pas, on verra. Et du coup, on a un Nastron. On effectue une attaque physique en ligne droite et sur les ennemis devant vous. Condition vie du dragon. D'accord. Ok, c'est pas grave, t'inquiète. C'était juste... pour savoir. Il y aura bien quelqu'un qui saura au bout d'un moment. Ah, Kairi, je suis désolé. Je n'ai pas réussi à déterminer la cause exacte de la colère de Phonem. Je n'ai même pas trouvé, ne serait-ce qu'un petit indice. Bah, il est peut-être complètement furax, parce que les Chinois, ils arrêtent pas de bouffer des vrais Nems. Et du coup, lui, en tant que Phonem, il est pas content. Ah, c'est vraiment pathétique. Je suis beaucoup plus vieux que vous, et pourtant, vous êtes tellement plus mature que moi. Mais pourquoi cette réaction? Vous ne pensiez pas que j'étais plus jeune que vous, quand même? N'oubliez pas à qui vous parlez, Kairi. Nous autres Dravaniens vivons bien plus longtemps que n'importe quelle micote. Mais attendez, mais oui, nous vivons très longtemps. Kairi, je crois que j'ai enfin compris. Elle est en train de faire sa ménopause. Ah, Gulin Bursty m'a parlé de dragons dévorés par le chagrin à qui s'isolent pendant des siècles. Leur peine est si intense qu'au fil du temps, elle se transforme en souffrance, puis en haine irrationnelle.
Ah, c'est l'un des problèmes de notre race. Notre quasi-immortalité est autant une bénédiction qu'une malédiction. Et beaucoup d'années devront passer avant que je ne doive fonder un nid avec un partenaire. Ah, mais je crois qu'elles servent d'une certaine façon à nous sauver de l'abîme et de l'isolement. Ah ouais, c'est pour cette raison que les humains choisissent de se marier, n'est-ce pas? Ah bah oui. Ouais, pour se témoigner leur amour. Ah, c'est la première fois que j'entends parler de ce concept. Je me demande si les dragons sont eux aussi capables de ressentir l'amour. On sait pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la colère de Phonème est due à son isolement. Elle a énormément souffert de la séparation avec mon père, et ce sentiment s'est accentué au fur et à mesure des siècles. Il est tout à fait possible qu'elle ait oublié l'origine même de son tourment. Ah, mais comment l'aider ? Ah mais je vous reconnais, vous deux ! Ravi de voir que votre petite conversation avec le dragon s'est bien passée. À moins que vous n'ayez pris la poudre d'escampette dès qu'il a montré ses crocs. Ah bah, je ne peux pas vous en vouloir. De toute façon, les jours de cette créature sont comptés. Et des marchands questirs ont réuni leurs ressources pour embaucher un expert de la chasse au dragon. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais je vais quand même aller assister au spectacle, histoire d'achever la bête si l'occasion se présente. Ah mon dieu! Ah, j'ai peine à croire qu'un mortel puisse vaincre un descendant de Nidhogg sans une armée pour le soutenir. Toujours est-il que nous ne pouvons pas laisser ce chasseur faire du mal à Phonème. Ça ne ferait qu'attiser sa colère. Et nous devons absolument la retrouver avant que cet individu n'engage le combat. Retournons à l'endroit où nous l'avons vu pour la dernière fois. Ouais! Ah, du coup, ça va être Battle Royale entre le chasseur de dragons, le dragon, moi-même, le petit dragon, et le gars qui était venu pour observer et qui finalement va venir aussi. On sait pas. Ah, ça va être le bordel absolu. Ah, j'ai hâte. Et normalement, c'est aujourd'hui qu'il y a la conférence de pour les Yakuza. Ah, donc ils vont officialiser Kiwami 2, normalement. Ah, j'espère qu'il va pas trop mettre de temps à sortir chez nous. Ah, parce que du coup, si c'est le cas... autant je mets le 6 de côté, et on se fait le remake du 2. Et après, je trouverai un moyen pour streamer le 2 et le 3 et... Enfin, le 3-4-5. Et on se finit avec le 6. On pourrait se faire un marathon Yakuza. Ce serait pas mal. Allez, vas-y. Ah, mais où est-elle? Ah, nous devons la prévenir du danger qui la menace. Ah, vous arrivez trop tard. Un autre chevalier dragon. Ah mais c'est Stiti! Un curieux signe du destin, n'est-ce pas? Deux dragons célestes qui se retrouvent ainsi dans ces terres éloignées. Enfin, je ne suis plus qu'un simple chevalier dragon maintenant. Un dragon céleste? Le tueur de dragons d'Ishgard? Mais qui est ce jeune lézard qui t'accompagne, Kairi? Bah c'est mon pote! Ah, ce petit cherche donc la partenaire de son père. Voilà qui n'est pas banal. Après avoir accompli mon devoir en détruisant les yeux de Nidhogg, j'ai entrepris un long voyage qui m'a amené en Orient. Pourtant, on t'a vu du côté des trucs de Ralgre, là, pour t'occuper d'Omega. C'est quoi ce bordel? Ouais. Alors que je traversais le ralliement, j'ai entendu des marchands parler d'un dragon qui venait de se réveiller. Je leur ai donc proposé mes services en échange d'un peu d'argent. Bien sûr, mon intention était d'agir en tant qu'intermédiaire, à supposer que la bête pouvait être raisonnée. Dans le cas contraire, j'étais plus que prêt à brandir ma lance. Mais quoi qu'il en soit,
Je pense que la théorie du petit est exacte. Il se peut aussi que Phonème subisse encore l'influence du cri de guerre de son géniteur. Nidhogg avait une emprise totale sur ses descendants, et le dernier ordre qu'il leur a donné était de décimer Ishgard. Résister à cet appel a dû lui infliger des souffrances pires que la mort. Étant donné les circonstances, il ne serait pas surprenant qu'elle ait succombé à la folie, d'autant qu'elle a passé un millénaire à résister aux cris de vengeance de son aïeul, et qu'elle n'avait pas son partenaire pour la soutenir. Ah, je ne vois qu'une seule façon de la sauver. Nous devons affaiblir jusqu'à ce qu'elle soit enfin disposée à nous écouter. Nous avons déjà essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Elle refuse de nous écouter. Tu penses trop comme un humain, petit. Tu ne dois pas lui parler avec des mots, mais avec ton rugissement. C'est le seul langage qu'elle peut comprendre actuellement. Tu dois lui dire que la guerre est terminée et que son partenaire l'attend dans le Quertas. Mon rugissement ! Tu as avec toi deux chevaliers dragons qui ont vaincu Nidhogg, et tu n'as donc rien à craindre. Tout ce que tu as à faire, c'est rugir de toutes tes forces, compris ? Ah, des bisous, couteau aztèque, et bon courage. Merci d'être passé. Ah oui, je vais rugir si fort que la brume qui enveloppe son esprit se dissipera instantanément. Comptez sur moi. Un phonème se cache à la force de Bardam. Mettons-nous en route et sauvons cette tragique victime de la guerre du champ des dragons. Ah bah allez. Ah du coup on va dans le donjon, c'est ça? Bonjour. Ah bah c'est là où il y a le taureau. Ça va, ça va être le easy GG. Mais donc, il va sûrement falloir que je réorganise mes macros, là. Parce que... avec le sang du dragon, là, c'est pas du tout opti. Bon, ça l'a jamais été. Mais je pense que ça sortait plus ou moins. Mais par contre là ça va être ça va être le bordel. Allez hop, s'en va. Et... ah mais c'était mieux quand j'avais pas l'aggro par contre. Putain, bon ça sert à rien je pense. Ok. Ouah ! Ah pourquoi je me suis fait one-shotter d'un coup ? Un distrait-le en utilisant soin insaisissable ? Ah bon ? Ah c'est quoi soin insaisissable ? Je sais pas ce que c'est moi. Ah c'est ça ! Ah d'accord.
Ah, faut que je fasse gaffe à ce qu'il me dise l'autre. À ce qu'il me dit l'autre. Ok. Ah, j'avais pas capté, moi, qu'il fallait faire un tandem. Ah, j'ai cru que j'avais pris l'aggro parce que j'avais pris l'aggro. J'avais pas compris. Oh, je vais poser les dots là tout de suite. Hein. J'ai rien à faire. Oh, je me suis tellement tout pris dans la tronche. Ah, c'est pas le GG. Donc, tout va bien se passer. Là je m'en vais, hop. Voilà. Ah, bonjour. Ah ouais, ça y est, il a fait à son saut en retrait. Ah, du coup c'est moi qui est sur la tronche. Ouais, et là il faut que je commence à me méfier. Il faut que je regarde ce qu'on me dit. Ah, c'est l'étoile noire! C'est Star Wars! On sait pas. Ok. Ah, c'est là. Ah, voilà. Ah ouais, prends le relais. Ah, moi j'arrive. Ouah, ça fait mal. Ah oui, non, faut que je rafraîchisse. Ah, venez vers moi. Ah, je suis là. Ah, vite, guéris-moi. Ah, putain, guéris-moi. Ah, voilà. Ah, mais c'est vers le dragon qu'il faut aller. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Elle est presque prêt. Ah ouais, on tient bon, t'inquiète. On meurt pas, Estiti. On fait pas le con. Okay. Il y a des gens qui m'ont mis à récup. Enfin, faut vraiment soigner City. Là. Faut faire un truc. Là. Ouais, parce qu'il reste trop près aussi.
pas comment ils mangent. Ah, c'est normal qu'ils n'en puissent plus. Allez, vite! Ah, je mets la max. Je m'en fous. Il va crever. Non! Ah, le con! Ah, putain, t'es sérieux? Donc, quand il fait ses metteurs, faudrait que je m'en aille loin, en fait. Mais le problème, c'est que là, je fais plus de DPS. Donc, finalement, ça revient un peu au même. Oh, c'est chiant. Ah, attends. On va y arriver cette fois. Ah, j'y crois à fond. Allez, hop. Ah ouais, du coup, j'ai plus mes buffs. Hein. Je vais par là. Non? Il se passe rien! Ah, t'es sérieux? Ah merde. J'ai tellement perdu du temps pour rien. Ok. Non plus, autant mieux. Ah, c'est, je te remplace. Ah, vas-y, ah, va te faire soigner. Oh non, il va se faire allumer. Ah, vite. Moi, je m'en vais. Ok. Ah, mais faut que je m'en aille. Ah, putain. Mais je l'ai déjà utilisé, mon soin insaisissable. Ah, je peux plus l'utiliser. Ah, vite. Ah, faut que je survive 5 secondes. Non, meurs pas! Ah, dis-moi que c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, je l'avais déjà utilisé. Oh, la loose! Oh, merde! On va pas y arriver, ça y est. Ah, ils ont vu que leur quête, elle se terminait en 4 secondes. Ah, du coup, pour la fin, ils t'ont mis le boss bien relou où t'as pas le droit à l'erreur. Ah, c'est chaud comme c'est de la merde. Oh, putain. Ah, je crois qu'on a... On a trouvé le... les pires quêtes de job de l'extension. On a trouvé les pires. Il n'y a pas d'embrouille. Ok. Ok. Donc tant que le dragon il clignote pas, c'est... assez ok. Mais pépère. Ok. Puis je vais utiliser ça aussi plus souvent sur Estinien, histoire qu'il soit tranquille. Puis je vais arrêter d'utiliser le saut en retrait. Ok. Tant que c'est moi qui aurais les commandes. Voilà.
Ah, voilà, c'est bon. Moi, je m'en vais. Vas-y, guéris mes blessures, t'as raison. Cette fois, normalement, c'est ok, là. Ah, le boss, il a plus de vie. STT, il est encore à fond. Normalement, il est ok, là. Allez, on y croit. Ah, voilà. Ah, maintenant! Ah ouais? Quoi maintenant? À toi de jouer, petit! Un phonème! Écoutez-moi! Un gros rugissement. La trahison des deux côtés. Ah, je ne veux pas me battre contre les mortels. Il n'y a que le silence dans mon cœur. Un silence assourdissant. Un silence assourdissant. Un silence. Ah mon Dieu, ça marche pas. Ah, j'ai échoué. Mon régissement ne l'a pas ramené à la raison. Ah, ne perds pas espoir si vite, mon fils. Ah ouais. Hop, papa. Ah, je suis venu pour toi, ma chère phonème. À ces ailes, à longtemps, elles ont occupé mes rêves. Oh, vers d'Ophnir. Papa! Ah bah quand même! Ah, l'autre il s'est enfin bougé le cul pour venir chercher sa femme! Ah, il était temps! Ah, soyez remerciés, noble chevalier dragon! Sans votre aide, je n'aurais certainement jamais pu retrouver ma bien-aimée! Je vous suis extrêmement reconnaissant à tous les deux, ainsi qu'à toi, à mon fils! Tu as fait montre d'un courage sans faille! Permettez-moi de vous remercier également. J'étais aveuglé par la colère, mais quand j'ai entendu le rugissement d'Ankai et que j'ai vu Verdofnir, le voile qui obscurcissait mon esprit s'est immédiatement levé. Ah, génial! Ah bon? Ah, comment est-ce que les dragons se font des bisous? Ah, faut montrer ça maintenant. Il y a 1000 ans de cela, mon père a commencé une longue guerre contre Ishgard afin de se venger de la trahison de ceux qu'il pensait être ses alliés. Du sang, pour du sang. Mais moi, j'ai choisi de désobéir. Vertfölnir et moi avons tissé des liens très forts avec les mortels. Je ne pouvais pas tuer les chevaliers aux côtés desquels je m'étais battu pour protéger l'écume des cieux, et je ne voulais pas oublier les jours de paix. Chaque ordre ignoré était comme un coup de lance planté directement dans son cœur. C'est pour lui épargner toute cette souffrance que je l'ai envoyée en Orient. Je me suis séparé d'elle avec l'espoir que nous nous reverrions bientôt. Malgré mon envie de l'accompagner, j'ai dû rester pour défendre Zénith. Une décision que j'ai regrettée amèrement pendant 1000 ans. Pas un jour ne s'est passé sans que je ne pense à elle.
ensuite. Et tu es venu au monde, mon fils. Ah mon Dieu! Mais ça veut dire que t'as trompé ta femme! Ah ben je comprends maintenant pourquoi vous m'avez donné ce nom. Je suis un enfant né dans la tristesse. Ah je suis désolé, père. Ah je ne suis pas aussi fort que vous. Ah, mon rugissement n'a pas réussi à atteindre phonème. Ah mais tu es encore jeune et tu as tout le temps de progresser. Sache cependant que c'est grâce à ton rugissement que j'ai pu venir ici. Il était si puissant que je l'ai entendu de l'endroit où je me trouvais. Je suis fier de toi, mon fils. Ah ouais. Et lui, il a pu venir comme ça en 4 secondes. Il a traversé toute la planète en 4 secondes. Ah, faut m'expliquer un truc, là. Ah, parce que... nous, on a galéré pour venir là. Et le dragon aussi, là. Le petit Hornkai. Ah, pourquoi le gros, il peut venir en 4 secondes? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, papa! Et quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureux que vous soyez enfin réunis avec votre bien-aimé. Je suppose que vous avez beaucoup à vous dire. Aussi, mes compagnons et moi allons vous laisser. Ah, vous laisser copuler? Ah, mais oui. Je vous propose d'aller discuter ailleurs. Ces deux-là ont besoin d'intimité. Ah bah oui, ah, on comprend bien. Ah, clin d'œil. Ah, pas besoin de bara-hôtesse pour les dragons. Ah, oui, non, c'est pas lui. Ah, c'est lui. Ah, encore merci à tous les deux. Surtout vous, Kairi. Vous ne m'avez jamais abandonné, même dans les moments les plus critiques. Ah ouais. Ah, j'avais entendu parler de la puissance des dragons célestes, mais j'étais loin de m'imaginer qu'elle était d'une telle ampleur. Je préfère vous avoir comme alliés plutôt que comme ennemis. Ah ouais. Un dragon céleste. Il y a longtemps que j'ai tiré un trait sur ce nom. Et quand l'ombre de Nidhogg a pris possession de mon être, j'ai ressenti la même sensation que Phonème. Un mélange d'une tristesse profonde et d'une rage dévastatrice qui vous ronge l'âme. Et c'est parce que j'ai vécu cette expérience que j'ai voulu la secourir. Et alors que j'ai déchaîné la force des dragons en moi, j'ai réussi à me battre sans succomber à la folie. Ah ouais, moi pareil. Qu'est-ce qui t'arrive? Et si j'y suis arrivé, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas à ton tour non plus, Kairi. Ah ouais. Vous devriez vous faire appeler le dragon écarlate, dorénavant. Après tout, votre mission a changé. Vous n'êtes plus un tueur d'Ishgard. Ah ouais, c'est vrai que le rouge écarlate, c'est, ça rappelle pas du tout le sang. Donc c'est beaucoup mieux. Ah mais c'était une excellente idée. Estiti le dragon écarlate. Ah ouais, ça sonne bien. J'utiliserai ce nom désormais. Mais d'où ça sort ce écarlate? Ses pouvoirs qu'on a vus. Ah, c'était tout bleu. Ah, sa tenue, elle est noire bleue. Peut-être éventuellement violet, on sait pas trop. Il a les cheveux blancs. Sa lance, elle est bordeaux. C'est quoi ce délire de écarlate? Ah, je suis heureux d'avoir fait ta connaissance, Hornkai. Ah, je suis sûr que tu deviendras un dragon aussi puissant que ton père, si ce n'est encore plus. Adieu. Ah, je sais pas. Un dragon céleste, ça fait plus peace and love que dragon écarlate. Hein. Enfin, je sais pas. Mais vous verrez, je deviendrai encore plus grand et plus fort que mon papa. Ah ouais, je trouverai un chevalier noble et courageux comme vous, et ensemble, nous accomplirons d'incroyables exploits. Ah, je crains que le temps soit venu de nous séparer. Je vais rentrer avec mon père et Phonème. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, Kairi. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. D'ici là, portez-vous bien. Ah, super. Bon, maintenant, faut comprendre comment ça marche tout ce bordel.
Ça c'est autre chose. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, à la jauge du dragon a été enrichie. Ah ouais. À l'action sang du dragon, vous octroie le pouvoir des dragons. Ouais. La durée d'effet est indiquée dans la jauge du dragon. Ouais. Cet effet augmente la puissance de saut et de piqué brise échine. Ouais. À l'obtention du trait de vie du dragon, vous octroie œil du dragon. Que vous pouvez... Attends. Lorsque vous utilisez piqué mirage. C'est lequel piqué mirage? J'en sais rien, faudra regarder plus tard. Cet effet a peut-être obtenu jusqu'au 4e degré, ce qui active la vie du dragon. Lorsque vous utilisez Gerskosgol. On sait pas. Ah, il y a la Foxy Lady Tails. Ouais. À l'effet, vie du dragon est indiqué par un symbole en haut de la jauge du dragon. Lorsque vie du dragon est activée, la jauge devient rouge. D'accord, ok. Ah, vite, on va aller à... hop. Alors, à Yangsha. Yangsha. C'est où? Étendue de Ralgre. Non, c'est pas ça. Yangsha. Namai. Ah, y a la Foxy Lady Tail. Ah, il faut y aller. Ah, je vais hurler. Ah, je vais hurler LFG. Ah, voilà. Hop. Ah, je vais y aller en barde. Alors, attends. A dit 24-33. 24. Ah, donc genre par là-bas. Sud-ouest. Bon, ça a pas l'air de bien répondre. Attends, non, plus au sud. Ah voilà, c'est là-bas. Ouah, mais c'est déjà en cours. Vous êtes sérieux, les gars? Ah, voilà. Ah, elle est déjà mid-life. Ah, vite. Ah, c'est tellement le bordel. Normalement, niveau dégâts, ça devrait aller. Ok. Ah, vu comme il met... vu comme on met la max. Okay.
Ah, voilà. Ah, comme ça, normalement, je peux m'acheter le petit renard. Ah, he's okay. Impeccable. Ah, donc, il n'y a plus que... à que le petit Ixion a trouvé, maintenant. Et tout va bien. Ah, ça, c'est... ça, c'est de la matinée rentable. Alors, attends, du coup, on se re-téléporte là-bas. On va aller voir si... si on peut acheter le renard direct. Normalement, il est ok. Bon, il n'y a pas d'Ixion à l'horizon. Ah, tout va bien. C'est où qu'il faut aller? Les marges? Non, c'est pas ça. À l'étendue de Ralgre. Ah ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est plus par là-bas. Ah bah voilà. Ah, c'était la première fois que je le voyais passer en plus, cet aléa là, dans le truc de chasse. C'est cool. Parce que ce que j'avais peur, c'était d'arriver là et que le mob soit déjà quasiment décédé, quoi. Ah, c'est toujours un peu le piège. C'est que bah, suffit qu'il y ait un con à qui poule pour que les gens aient pas le temps d'arriver et que ce soit complètement mort. Vu que bah, y a toujours pas mal de monde qui se réunissent spécialement pour ça. Alors, elle est où la sortie? Elle est là. Ah, salut Droesiu! Ah bah ouais! Ah, ça va bien! Et toi, comment ça va? Ah, je viens de faire l'aléa avec le renard, là. Ah, du coup, je vais pouvoir acheter la petite mascotte. Il me semble que c'était là que ça s'achetait. Je suis pas sûr. Peut-être l'hiver, peut-être ça. Je sais pas trop. Alors, objet. Ouais, c'est ça. Ah, le bébé renard. Ah, renard en peluche, on s'en moque. Voilà. Ouais. Les jeux soient... Non, jamais fait. J'en ai un sur Vita, mais j'ai jamais eu le temps de le lancer. Ah, du coup, malheureusement, je vais pas pouvoir t'aider. De ce que je sais... celui que j'ai, il est en anglais, il a jamais une traduction en français. Mais par contre, après, la suite a été était en français. Les suites sont en français, il me semble. Mais après, en dehors de ça, je sais pas grand-chose. Mais les jeux m'intéressent. Je pense que je les ferai un jour en stream. Mais je sais pas trop quand encore. Est-ce qu'on a envie d'acheter ça? Pas vraiment. Ah, du coup, voilà. Ça va. On peut les mettre en vente, tu crois, les cailloux, là? Attends, où c'est qu'il y a un vendeur? Ah, par là-bas. Ah, déjà, je vais acheter la mascotte. Attends, je vais regarder si on peut mettre en vente la mascotte aussi, on ne sait pas. Peut-être que si... certissage, non, c'est pas ça. Ah, voilà, divers. Alors, admettons. Ah, non, on peut pas les vendre. Ah, zut. Ok, ça me sert à rien, je peux y jeter. Hop, voilà, ça, j'en ai rien à cirer. Voilà, comme ça fera un peu de place. Et puis, oh, celle-là aussi, oh, j'en ai pas besoin. Ok, ouais, j'ai déjà 99 maxi potions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tant de potions? Je peux les vendre? Ça coûte combien l'hôtel des ventes, les potions?
Ah, ça, c'est une bonne question. Pas d'hôtel des ventes, là. Si. Non, je crois pas. C'est quoi, ça? Coffre de compagnie. Ah, rien à voir. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Gridania. Comme ça, on va s'occuper du Gold Saucer. En même temps, après. Et puis, on regardera où se trouvent les... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le mage noir? Je crois qu'on n'a pas fait le mage noir. Attends. Déjà. Ah, déjà. On peut utiliser ça. Voilà, donc je me remets en dragon. Ah, vite fait. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Ça, ah non plus. Ça, non plus. Ah, ça non plus. Ok. Donc, à la lance non plus. Bon, en fait, j'ai besoin de rien, quoi. Pour faire la version courte. 69 dragons. On peut shooter. 67, 65. On va garder juste la 65. À la limite. Ok. Là. Voilà. Ça, on peut s'en débarrasser. Ok. 69, on s'en moque. Ça, on s'en moque aussi. Ok, là on est bon. Là aussi. Là, 70, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? 69. À quoi que? Non, ça servira pour le samouraï encore. Ouais, donc ça, on va garder les accessoires. Ok. Ok. Bon. Maintenant, il va falloir se pencher un petit peu sur ces conneries. Donc ça... Ok, 320. Et là, à 220. Le change le sang du dragon en vie du dragon. Ah, d'accord. Donc il faut l'utiliser pour le changer. D'accord. Un piqué mirage, c'est celui-là, ouais. D'accord, ok. Vous octroie œil du dragon. La condition. Piqué mirage préparé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est... ouais, d'accord. Ok. Faut faire le saut ou le piqué brisé chine. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, le sang du dragon. Ouais. Et donc, ça, est-ce que ça s'utilise automatiquement? Ou est-ce que faut l'équiper là-dessus? Je sais pas trop. Dans le doute, on pourrait toujours le rajouter dans les macros. Je peux faire ça. Nas Trône. Ah, vas-y. Les macros du dragon. Alors, elles sont là. Voilà. À part où il y a machin, on peut mettre... Alors, AC... Anas... Atron... Ah, c'est ça, je crois. Ok. Ah, du coup, je vais le copier-coller à chaque fois. Ce sera plus simple. Hop. Là. Comme ça, là. Ah, je peux remettre la scène normale. Ah, pas faire comme hier. Ah, hier, j'ai tellement oublié de me remettre en mode normal. Alors, est-ce que ça s'écrit comme ça?
Ah, je crois pas qu'il y ait deux I en fait. Pas deux I, si. Astronde. Qu'est-ce que j'ai marqué moi? Attends, c'est où? Hein? Attends, je l'ai marqué où? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, je vais le remettre là. Au pire, quelque part. Ah voilà. Hop. Tac. Ah! Après, là c'est pareil. Voilà, là on le met pas, là on le met. Là, là aussi. Donc là on est bon aussi. Là on peut le mettre. Voilà. Là on est pas mal. Donc théoriquement, j'ai rien à retoucher. Is ok. D'accord. Allez, on va se faire un petit tour au Gold Saucer. Hop. Par contre, je me demandais, est-ce que tu sais si les jeux Sword Art Online, ils se suivent? Ou est-ce qu'ils sont indépendants les uns des autres? Parce que, ben, à la limite, tu vois, si je pouvais commencer à streamer directement ça en français, ce serait mieux. Ce serait mieux. Parce que j'avoue que j'ai un peu de la flemme de me taper celui en anglais. Et j'ai pas bien envie. Voilà, ok. Alors. Ok, donc c'est mort. Ah, peut-être là-bas. Raté. Ok. Bon, de toute façon, on les fera pas avant un moment, on descend dans Tonline si on les fait un jour. Le planning, il est déjà tellement blindé que... Ça veut rien dire. Alors, 11, 17. C'est combien? 180? Ah, c'est pas top. Hein. Attends, t'es celui-là. Allez, ah, voilà. C'était pareil. Ok. Alors, au niveau des persos. Est-ce qu'on avait fait le moine? Je m'en rappelle plus. Si, on a fait le moine. C'était quoi sa capacité au moine? Parce qu'on l'a fait, hein, je m'en rappelle. Mais Ah oui, c'était fraternité. Ah ouais, c'était ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est comme le dragon, mais... sauf que c'est les dégâts au lieu des critiques. Ah! Un S. World Boss. Odin, à Forêt du Nord. On peut aller le voir à la limite. Allez, go voir Odin. C'est parti. On va se faire plaisir. Un parapatriement, téléportation. Un fort aliment. Allez, c'est parti. Voilà. Comme ça, on aura vu deux gros mobs. Alors, LG. Odin, ah voilà. Hop. Ah oui. Alors, faut aller où? Là-haut. Hop. Ah, comme ça, on va taper tous les grands mobs, finalement. Ok. Ouah, le combat, il est déjà en cours. Ah, ça va être l'anarchie. Quoi, Katzilla? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Ah oui, c'est vrai, il y a un petit combat avant qu'il apparaisse, c'est ça. Alors, attends, on va balancer... Qu'est-ce que c'est que ce Pepsi là? C'est pour de vrai? Ah, je vois rien. J'essaye de voir le boss, là. Mais si, mais c'est Odin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon dieu. Ah, faut vite s'écarter. Ok. Mais pourquoi c'est marqué Kenzie là? Qu'est-ce que c'est que ce connerie? D'où ça sort? Ah, j'avoue que je suis perplexe. Ah, le jeu me perd un petit peu. Voilà. Ah, donc c'est génial, tu vois, Odin, tu vois rien, tu comprends rien. Mais Ah, c'est moins pire que d'habitude. Ah, là, tu sens bien qu'on est le matin, quand même. Ah, que du coup, c'est cool. Les gens sont tranquilles. Ils sont encore éveillés. Ah, donc, il n'y a pas trop de monde, les serveurs arrivent à tenir. Mince, ah, j'ai oublié de rafraîchir mes poisons. Ok. Non, je peux plus bouger! Ah, fuck. Ah, je vais me la prendre en pleine poire. Ah, ça va. Allô? Je peux plus bouger. Je suis pétrifié pendant 5 secondes encore. Ok, c'est bon. Ah, vite, barre-toi de là. Ok. Il y a les arbres qui font chier aussi au milieu. C'est ça le problème. Ok. Quelqu'un l'a interrompu, tout va bien. Ah, je me suis encore fait avoir. T'es sérieux? Ah, c'est pas top. Ok, ça va. Ok. Ouais, je vais mourir. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends plus rien. Je suis resté par là. Il y a mes potes ici. Ce sera moins pire. Ok. Mais ça fait mal! Arrête de me cibler! Ah, j'ai rien fait. Ah, il y a un livre qui est mort. Ah, l'autre, il est pétrifié. Ah, il est possible que ça se finisse mal. On sait pas trop. On sait pas trop. Ah, c'est peut-être le fail de la matinée. On sait pas. Et... Ah, lui, il m'a trouvé. Ah, oui, ah, ça fait mal. Ça fait bobo. Ça fait un petit peu trop bobo. Ah bah, l'autre, il est mort. Il y en a un qui est en train de se faire aise. Ah, génial. Ah, peut-être que tout n'est pas perdu. Ah, ouais. Ok. Allez, on va la voir là. Il est quasiment décédé. Putain, mais on peut pas s'enfuir. Ah non, mais faut rester au milieu en fait. Ah, c'est maintenant qu'il faut lâcher.
Allez, vite! Ah, voilà! Ah, oui! Ah, génial! Bon, je suis à peu près sûr que ça sert à rien maintenant. Mais ah bon. Ah, il fallait trouver un moyen de meubler jusqu'à midi. Et je pense que c'était parfait. Ah voilà. Allez. Ah du coup on rentre à Gridania. Et puis on va pouvoir s'arrêter là. Comme ça cet après-midi je vais continuer à farmer comme un mongolo. Je vais m'occuper des temples cet après-midi. Parce que t'as le guerrier level 63 et l'autre level 67. Donc je vais pouvoir enchaîner les donjons. Et je vais utiliser le parchemin qui donne plus 15% d'XP là. Et ça va être bien utilisé. Et ce sera cool. Et puis comme ça, demain on pourra s'occuper des quêtes à du petit mage noir. Et ce sera vraiment formidable. Ah, j'en suis sûr. En tout cas, en attendant, moi je vous remercie d'être venu. Ce soir, on continue l'histoire de Yakuza 0. Eh ouais, parce que incroyable mais vrai, il y a une histoire dans Yakuza 0. Si, si. Malgré les apparences, il n'y a pas que des quêtes annexes dans ce jeu. C'est fou. Allez, je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis à ce soir. Ciao!